parler d'Avignon sans évoquer son festival, initié par le comédien et metteur en scène Jean Villard en 1947. C'est tout simplement la plus importante manifestation de théâtre en France. Et savez-vous que pour Jean Villard, le théâtre est une nourriture aussi indispensable à la vie que le pain et le vin? Le vin qui est d'ailleurs présent dans les musées d'Avignon, comme ici, au musée Angladon, où la collection Jacques Doucet abrite ce tableau de Paul Cézanne. Cette nature morte au pot de grès révèle le travail sur la construction des couleurs mené par le peintre aixois. Et on distingue clairement au centre un verre de vin rouge. Tout comme dans ce dessin de Pablo Picasso, dans lequel parmi les toiles entreposées se détache là une bouteille discrètement posée. D'autres musées, comme le musée Calvet ou le musée du Petit Palais, témoignent du lien toujours subtil qui existe entre l'art et le vin. Souvent complice des artistes, le vin est omniprésent dans la ville. Même si Avignon était une ville-monde qui grouillait de commerce, elle n'en est pas moins la capitale de la famille viticole des Côtes-du-Rhône, comme en atteste une plaque apposée dans la mairie. D'ailleurs, les vignerons ne sont-ils pas eux-mêmes des artistes? Eh oui, ils transforment les fruits d'un terroir balayé par le vent et le soleil en un véritable élixir.